Je suis vidéo. Mathieu, vidéo. James. On connaît tous James Bond. L'incroyable, le magnifique. 007 est envoyé en mission pour tenter, encore une fois, de déjouer un plan machiavélique. Oui, bon, ce serait pas si dur s'il n'avait pas de si gros boulet en tant que coéquipier, hein. Baisse tout de suite la main. Boulet. Boulet. Bon, on est d'accord que pour n'importe quel autre mec, ça se passerait comme ça. Bon, on est d'accord que pour n'importe quel autre mec, ça se passerait comme ça. Bon, on est d'accord que pour n'importe quel autre... Bon, ça va, tu vas pas tous nous les faire. Bond va donc tenter... de mettre un CD de Linkin Park? Non, en vrai, il va plutôt tenter de retrouver l'homme à l'œil flingué. Ah! Le chiffre. Ok, mais c'est quoi son nom? Je l'ai dit. Le chiffre. Bah, je sais pas, 3, mais c'est quoi son nom en fait? Le chiffre! Ah, putain, tu fais chier! Casse-toi, connard! Vous voulez prendre un verre chez moi? Un verre. Ouais, c'est ça, elles disent tous ça. 007 va donc arrêter le bras droit du chiffre avant qu'il aille à Miami. Waouh! Oh waouh! Mais quel combat! Waouh! Non mais sérieusement, tu changes la musique, ça donne ça. Mais après ce combat incroyable, on se demande quel est le plan du chiffre. Non mais sérieusement, quel est le plan du chiffre? Je sais pas, transformer la Terre en 3, en 2, en 7, mais quel est le plan du chiffre? Mon dieu. Activer l'alarme incendie alors qu'il n'y a pas de feu. Vous êtes machiavélique. Il va... Oui... Il va... Oui, vas-y, dis-le. Il va jouer au casino, ouais, voilà, c'est tout. Il va jouer au casino. J'avais l'impression qu'on allait risquer des millions de dollars et des centaines de vies sur un simple jeu de hasard. Ouais, bah, c'est un peu ça, parce qu'en fait, j'ai toujours joué au pif... James, monsieur, vous devez vous tromper, nous jouons au poker actuellement. Ah oui, pardon. Double sandwich, monsieur. Garde-contre, hein. Ça va être plus facile que prévu. C'est vraiment dommage, mais heureusement, Bond, il a 5 millions pour se refaire, c'est quand même pas négligeable. Ah oui, mais je sais toujours pas jouer, en fait. Alors, non seulement tu ne sais pas jouer, Bond, mais en plus, on tente de te droguer. C'est un petit cadeau de ma part. Ce combat est un peu inégal. Enfin, combat... Façon de parler, hein. Ah mais non, mais vous êtes fous, mesdames et messieurs. Eh non, ça se termine pas comme ça, hein. Non, en fait, il y a sa copine qui est infirmière à son temps libre. Ouais, bon, elle lui sauve la vie, quoi. James a gagné la partie, mais il reste encore à capturer le chiffre. Bon, bah, je crois que c'est mort, hein. C'est terminé. C'est terminé, mesdames et messieurs. C'est terminé. Et en plus, il se fait torturer, hein. Super. Par conséquent, je n'attends de vous que le mot de passe. Vous ne devinerez jamais quel est le code. 1, 2, 3, 4. Et merde! Le chiffre est mort. Et Bond va vivre sa parfaite petite vie avec sa parfaite petite copine dans sa parfaite villa. Non! Elle ne s'en rend pas compte qu'elle vient de provoquer un dieu qui va faire s'abattre sur elle un million de soleils. Ça va, les chevilles? Pardonne-moi, James. Oh non, pardon, je suis désolé, meurs pas, t'as pas intérêt à mourir, connasse! Non, pourquoi? Ouais, non, je m'en fous en fait. Parce que je suis... Bond. James Bond.